Pour débuter une grande et belle histoire d'amour, rien ne vaut une piste de danse. Âgés de 23 à 80 ans, des célibataires ont accepté de vivre une expérience unique. J'ai le cœur qui bat à fond. Ce que j'espère, c'est qu'on ait un coup de foudre réciproque, que ça nous marque. Rencontrer un homme ou une femme pour la première fois sans échanger un mot, uniquement en partageant une danse. Pour les encourager, trois témoins privilégiés. En fait, elle se laisse dans ses bras, c'est ça qui est joli. Ouais. Parce que l'amour, c'est l'abandon. Alors, ce moment marquera-t-il le début d'une belle histoire d'amour? Frissons, yes, magie, larmes, retenez votre souffle. Pas pour vous, mais moi, on m'a perdu. Oh là là. Un flirt et une danse, présenté par Faustine Bollaert, mardi 15 février à 21h10 sur France 2.